Salut tout le monde, c'est Brocorse, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 38e épisode de Ghost of Tsushima. Donc sans plus attendre, c'est parti, direct. On continue la mission pour aller contacter le Shogun. On a un peu de chemin à faire, 290 mètres, ça devrait être assez rapide. Hop. Évidemment, je ramasse des fleurs. Peut-être pas toutes non plus. Suivons le vent. Salut les oiseaux. Derrière du bambou, ok. Encore du bambou là-bas. Alors très clairement ici, il pourrait y avoir des sangliers, mais je n'en vois pas. Se battre contre un ours, ils l'ont tué. Venez vous battre! Attache le samouraï! Voilà, ça se fait. On va se remettre dans une posture normale. On va ranger ça. Ah, je crois que je suis arrivé. Quatre ponts, c'est bien, ça fait plaisir. Ok, évidemment, il va se mettre à pleuvoir. Y a rien de mystérieux autour de ces rochers, non. Je me demande si ceci, ça ne serait pas un truc où on prie le renard. Oh, encore un ours, on va essayer de se le faire, en faisant attention. Salut. Alors. Il est mort. Ok. Au revoir nounours. 4 ponts, ok. On pourra améliorer de l'équipement, c'est une bonne chose. T'es pas très résistant ce nounours. Peut-être un peu fatigué. Un cerf qui ne hurle pas, ça fait plaisir. Le marais des lucioles. On va s'approcher discrètement. Ok. Seigneur Sakai. Salut. Tu étais destiné à porter cette armure au combat. J'espère en être digne. Hop, attends, je récupère des trucs. Hop. Ok, je pense qu'on est bon. Allez, dis-moi tout. J'ai trouvé Goro dans la crique à Umugi. Était-il ivre? Il ne l'est plus. Il honorera sa dette envers vous et se rendra sur la grande île. Goro manque de raffinement. Mais nul ne connaît la mer mieux que lui. Ces hommes porteront votre message
Absolument. Kotaro et Jiro sont loyaux et courageux. Ils rejoindront le Shogun pour demander des renforts. Goro est paré. Il nous retrouvera près d'ici pour nous mener au bateau. Nous chevaucherons quand le moment sera venu. Pour le moment, prépare-toi au combat. Oui, mon oncle. C'est l'heure. Allons-y, en selle. Nous sommes prêts, monseigneur. Ouvrez l'œil. Trouvons notre contrebandier. Ok. Attention, mon gars. De toute évidence, tu veux me poser une question. Je t'écoute. Comment avez-vous rencontré Goro ? Je l'ai surpris vendant de la soie chinoise interdite par le Shogun. J'ai brûlé sa marchandise et l'ai laissé partir. Il a défié le Shogun. Vous avez pris un risque en faisant preuve de clémence. Un samouraï doit toujours user de la force adéquate. Trop d'indulgence, on perd le respect. Trop de sévérité, on perd des opportunités. Ça paraît logique, en effet. Les Mongols ont de nombreux bateaux. Goro pourra-t-il leur échapper ? Il n'a pas le choix. Que ferons-nous s'ils nous atteignent, monseigneur ? Ne crains pas la mort, Kotaro. Sois courageux. Et n'oublie jamais ceux pour qui tu te bats. Seigneur Shimura ! Goro, où se trouve ton bateau ? Par ici. Je suis heureux de vous revoir, monseigneur. Je te remercie d'honorer ta tête envers moi. Je vais faire de mon mieux. Mais j'ai bien peur que les Mongols me coulent avant que j'atteigne le large. Beaucoup trop de regards sont braqués sur ces eaux. Peut-être pouvons-nous détourner leur attention. Pied à terre, nous allons marcher. Salut. Le fort de Mitodake. Mon père a pris cette forteresse au clan Yarikawa. Elle est aux mains des Mongols. Imagine donc leur surprise quand deux samouraïs la leur reprendront. Si nous faisons assez de bruit dans le fort... L'équipage mongol sera concentré sur lui et non sur l'eau. Goro, nous allons attirer l'attention de l'ennemi sur le fort. Lève l'ancre au son des combats. Monseigneur, vous serez tué. Occupe-toi de délivrer mon message. Les chevaux pourraient nous trahir. Nous irons à pied, Seigneur Sakai. Message ardent. Les armées mongoles sont redoutables, mais notre attaque les prendra par surprise. Prions pour que ce soit le cas dans le fort. Ils sont plus nombreux, mais ils ne peuvent pas tous attaquer en même temps. Combien de temps aurons-nous l'avantage de la surprise ? Jusqu'à ce que nous voyions l'ennemi. Ensuite, nous frapperons. Ok, ça me va. Mongol droit devant. Effectivement. Nous pouvons les éviter. Détourne-toi de l'ennemi et tu mourras un sabre planté dans le dos. Sur le pont. Êtes-vous prêt, mon oncle ? Tue d'abord les plus forts. La posture est parfaite, Jim. Excellent.
C'était les derniers. En avant, par la porte. Je suis fier de combattre à tes côtés, Jim. Vois comme l'ennemi te craint. Tu es un vrai guerrier. Merci. Reste sur tes gardes. Les archers, à couvert! Franchir cette porte! Seigneur Sakai, avec moi! Semons le chaos dans le fort! Les navires mongols doivent se concentrer sur nous, pas sur Goro! C'est notre nouvel objectif. Direction la tour, Jim. Qu'ils meurent tous. Bravo, Seigneur Satan. Décime-les, ne t'arrête que pour tuer. Tu as bien retenu mes leçons. Je suis fier de combattre à tes côtés, Jim. Aïe.
Coucou. Voilà le bateau de Goro. Ils ont gagné du temps, mais pas assez. Les Mongols les ont vus, et leurs navires de guerre sont plus rapides. Nos hommes sont sans défense. Non. Ils nous ont, nous. Et nous avons un Hwacha. C'est l'arme de l'ennemi, pas des samouraïs. Le plus important, c'est de sauver nos hommes. Sais-tu au moins t'en servir? J'apprendrai. Détruis les navires mongols. Je me charge des gardes. Mon oncle? Nous ne mourrons pas ici, mon garçon. Les Mongols envoient des troupes d'abordage. Leurs bateaux ne doivent pas atteindre Goro. T'inquiète. Je prends, je dis... Watch. Fantastique. Les bateaux mongols sont en feu. Ce n'est pas fini. Goro doit les distancer. Que les Mongols n'étaient pas invincibles. Vous m'avez entraîné. Je ne pouvais vous décevoir. Tu ne m'as jamais déçu. Je suis fier du guerrier et de l'homme que tu es devenu. Jin, mon message au Shogun incluait une annonce importante. Je souhaite que tu deviennes mon fils légitime. Mon oncle. Au fond de moi, je t'ai toujours considéré comme mon héritier. Quand cette guerre sera finie, nous l'officialiserons. Un jour, notre peuple te considérera comme son chef. Tu deviendras leur vénérable Jito, appuyé par les pleins pouvoirs du Shogun. J'espère le servir aussi bien que vous l'aurez fait. Cela ne fait aucun doute. Nous devons terminer les préparatifs en attendant les renforts du Shogun. Quels sont vos ordres? Prépare-toi au combat. J'en ferai de même de mon côté. Quand tu seras prêt, rejoins-moi au camp d'étape de Kubara. Ensuite, nous reprendrons mon château à Khotun Khan. Et nous sauverons l'île. En tant que père et fils, le Shogun en personne célébrera notre victoire. Nous nous reverrons bientôt. D'ici là, sois très prudent. Allez,
Bon, tout ça est très mignon, et du coup ça veut dire que Papy va mourir dans pas longtemps. C'est trop beau pour être vrai tout ça. Yes. Alors voyons voir. Déjà on a deux points techniques qu'on va utiliser. Pas déconner non plus. Il me manque toujours une technique mythique. Hein. Je pense que je vais faire ça maintenant. Ça peut pas être une mauvaise chose. Je vais finir de débloquer ce qu'il y a à débloquer ici. Donc ça, ça coûte 1 et ça, ça coûte 2 si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc on va prendre ça. Comme ça, dans les armes, enfin dans les tactiques fantômes, il me restera plus que ces deux-là à débloquer, donc 3 points. Et ensuite, je m'attaquerai au reste. Très bien, alors voyons voir. On est donc ici. J'ai beaucoup de missions alternatives à faire. Ok. Toujours... Kojiro le samouraï à affronter quelque part. Lui j'irai quand je viendrai pour faire cette mission là. Ok, est-ce que dans la partie sud... À part les fermes et tout ça à délivrer... Je vais aller voir l'armurière. On va voir ce qu'elle peut faire pour moi. Un oiseau, oui. Ça m'étonne que les Mongols ne détruisent aucun. Personne ne sait. Oui, il va me conduire à l'armurière. Je suppose. Ah non, même pas. Soyez prudent, Seigneur Sakai. Merci, c'est gentil. Je travaille toutes sortes d'armures. Ça tombe bien. Ah, mais tu peux pas faire ça, là. Ah. Dommage. Il vous faut plus pour effectuer ces améliorations. Eh ben, j'en reviendrai. Votre confiance m'honore, mon Seigneur. Hop. Qu'est-ce que t'as à me dire, toi ? Dis-moi tout. Je crois que les Mongols craignent nos sources chaudes, Seigneur Sakai. Ils les évitent. Ils n'aiment peut-être pas l'odeur du soufre, à moins que ce soit l'idée de prendre un bain qui les rebute. Ce n'est pas plus mal, monseigneur. Si les sources chaudes de Tsushima doivent donner de la force à un guerrier, autant que ce soit à vous. Je suis d'accord avec vous. Ah d'accord, c'est tout. Ouais, la tenue de voyageur, j'ai bien compris. Mais je vais pas utiliser mes ressources pour ça, moi c'est mon armure que je vais augmenter. Il me manque des provisions. Ça peut se trouver rapidement ça. Ok. Ça, ça peut être intéressant. Il me reste qu'une seule mission dorée à faire. Je vais essayer d'un peu clean la partie sud. Faire un peu tout ce qu'il y a à faire. Alors, peut-être pas la totalité parce qu'il y a quand même beaucoup. Je vois qu'il reste encore des points d'interrogation, des lieux à découvrir, donc
Ça m'intrigue. Par là-bas. Ok. On va faire ça avec le cheval pour changer un peu. Je n'en serais pas là sans toi. Ouais, on a quand même pas mal de papier, hein. Pas déconner non plus. Donc, je suppose que ce temple, je l'ai fait. M'affronter en premier. Peut-être lui ? Non, même pas. Hop ! Rien à ramasser. C'est super. Cheval ! Tu es un bon cheval, Sora. Je ferais peut-être mieux de passer par les chemins. Ah, oiseau, où es-tu? Où es-tu? Là. Allez, je te suis. Ok, là ça va être tendu pour le cheval. Aussi, là, mon ami. Oui, c'est là que tu veux que je vienne, j'ai compris. Oui. En fait, tu m'amènes là, c'est ça? Ok. Nous devons Salut. Fuir. Trouver un endroit où nous cacher. Un samouraï. Que s'est-il passé? Un marchand travaille avec les Mongols. Ils lui ont donné un assigne de fer. Nous voulions le lui prendre, mais... il avait de nombreux gardes. Cet insigne de fer doit être précieux pour que vous risquiez vos vies. Celui qui le porte est libre d'emprunter les routes sans avoir la crainte de se faire arrêter par les Mongols. Cela pourrait m'être utile. Vous pouvez le prendre. Nous avons fui, mais le chariot du marchand est toujours sur la route. Je vais chercher cet insigne de fer. Restez ici et pensez vos plaies. Méfiez-vous. Les Mongols viendront rechercher leurs hommes. Y'a pas de soucis. Ça va les gars? Faut arrêter le saké. Hein. Hop là. Oh là, oh là, là, je vais sortir de cette baraque, ça va mal tourner. Allez hop, on se casse. Ok. On y va.
Ce doit être le chariot du marchand. Aucune trace du marchand. Des Mongols. Ils ont combattu les hommes que j'ai vus. Caché. Hop, cascade. Oh, c'était bien plus cascade que ce que je pensais. Ah ouais, effectivement. Monseigneur, oui. Pitié. Il faut que vous sauviez le marchand à l'insigne de fer. Il s'agit de mon frère. Votre frère ? Je voulais m'emparer de cet insigne pour l'empêcher de déshonorer notre famille. S'il a accepté d'aider les Mongols, alors il mérite la mort. Non, c'est un homme bon. Je vous en prie. Je ne peux pas promettre de le sauver, mais j'essaierai de le trouver. Merci. Les Mongols qui l'ont tué ont dû laisser des traces. Ici, elle mène par là. C'est sympa de passer dans la boue quand même, dans les petits chemins. Là. Ah, salut. Aïe. Ouh. Hop là. Désolé mon ami. Alors. Ouais, mais est-ce que c'est pas mes traces? Ses amis n'ont rien capté. C'est magnifique.
Нөгөө самурай ч ном сумтай байна. А хэч харам тэнд байна. Ok. Vous m'avez sauvé. Merci. Ne me remercie pas. Ton frère m'a dit que tu travailles pour les Mongols. Ils ont juré de protéger ma famille et nos sœurs si j'acceptais de les fournir. Et ton frère en est mort. Il menait les hommes qui ont voulu s'emparer de ton insigne. Oh, non. Oh, l'idiot. Voilà pourquoi les Mongols m'ont pris pour un traître. Je n'ai jamais eu d'insigne de fer. De plus, le nom du porteur est gravé dessus. Pour qu'on ne puisse pas les passer. Tu peux partir. Mais si j'entends que tu aides à nouveau les Mongols... Ils me tueraient sans doute. Et je ne peux retourner auprès des miens après cela. Je n'ai plus rien. Plus rien. Que puis-je faire maintenant? Que faire de ma vie? Chacun sa merde. Merci beaucoup. Plus vite, Sora. Ok, voilà notre destination. Très bien. Eh bien, nous ferons ça au prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo. Et puis, si vous voulez être sûr de ne pas louper la suite ou les futures vidéos de la chaîne, cochez la cloche. C'était Brocorse. Je vous dis à plus.